Bonjour et bienvenue. Nous continuons avec l'Oktoberfest des produits Loxone 2023. Loxone offre des solutions uniques en matière de gestion de l'énergie, avec des solutions logicielles complètes, telles que le moniteur de flux d'énergie et le module de gestion de l'énergie dans Loxone Config. Nous avons créé des options d'automatisation qui contribuent significativement à la transition énergétique. Toutefois, la collecte exacte des données de mesure est la condition préalable à une gestion énergétique réussie. Je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui un produit qui simplifie considérablement cette tâche. Il s'agit de la nouvelle Embus Extension de Loxone. Avec la nouvelle Embus Extension, il est désormais possible d'intégrer en peu de temps les compteurs d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau, avec le principal standard d'interface dans l'automatisation de la maison et du bâtiment de Loxone. L'extension de deux unités sur RideIn trouve sa place habituelle dans l'armoire électrique et est alimentée par la tension de fonctionnement habituelle de Loxone de 24 volts. L'extension est connectée au mini-serveur via le Loxone Link et permet de connecter via le bus à deux fils jusqu'à 30 appareils Embus, tels que des compteurs de gaz, d'eau, d'électricité ou de chaleur, et bien d'autres encore. Le bus deux fils est protégé contre l'inversion de polarité et l'alimentation des compteurs est bien évidemment intégrée. La longueur du bus peut atteindre 100 mètres à une vitesse de transmission maximale de 9600 volts. En ce qui concerne la vitesse de transmission, les vitesses de 300 à 9600 volts sont prises en charge. En ce qui concerne la topologie, le câblage peut être réalisé sous forme de bus, de lignes, d'étoiles ou de tri. Un avantage significatif de cette technologie est qu'il n'est plus nécessaire de procéder à une conversion fastidieuse via d'autres protocoles tels que Modbus. Il n'est plus nécessaire de configurer manuellement les entrées des compteurs, ni même de convertir les unités. Avec Embus Extension, vous pouvez intégrer vos compteurs plus ou moins en mode plug and play dans l'automatisation de la maison et du bâtiment de Loxone. Jetons un coup d'œil à l'ensemble dans Loxone Config maintenant. Après avoir connecté et assimilé Embus Extension comme toujours via le Loxone Link, le dialogue de recherche Embus peut être lancé. La nouvelle Embus Extension prend en charge une vitesse de transmission allant jusqu'à 9600 volts et les vitesses de transmission à analyser peuvent être limitées dans la boîte de dialogue de recherche en fonction des besoins. L'appareil Embus, dans mon cas, est un compteur de chaleur. Il est immédiatement trouvé et après avoir saisi la pièce, un nom et la zone d'installation, je peux sauvegarder la configuration dans le mini-serveur. C'est fait! Vous pouvez maintenant constater l'avantage considérable que représente Embus Extension. Le compteur est livré directement avec toutes les valeurs analogiques dont vous avez besoin. Il n'est plus nécessaire de saisir manuellement les adresses des registres. Ah oui, et l'unité correcte est également fournie. Il n'est donc pas nécessaire de convertir les watts en kilowatts ou vice-versa. Si vous activez maintenant le Live View, vous voyez immédiatement les valeurs fournies par le compteur. Dans mon cas, il s'agit du débit, de la température de départ et de la retour de la quantité de chaleur, de la durée de fonctionnement, de la puissance et de bien d'autres choses encore. D'une part, Embus Extension offre une surveillance en ligne de l'état. Cela signifie que vous êtes informé par les messages du système Loxone si l'appareil n'est plus accessible. Et d'autre part, les appareils Embus peuvent vous informer de certains états d'erreur. Par exemple, si un compteur n'est pas correctement installé. L'un des principes de base de Loxone est de développer et d'améliorer les choses en fonction de leurs propres besoins. C'est pourquoi nous utilisons également la nouvelle Embus Extension sur notre campus de Loxone. Nous avons intégré plusieurs compteurs d'eau via l'interface Embus. Lorsqu'il s'agit de compteurs d'eau ou de chaleur, le choix est très large et grâce à Loxone, l'intégration est vraiment facile. Mais la véritable force, comme toujours, réside dans le logiciel Loxone Config. Grâce à Loxone Config et au module Energy Flow Monitor, les valeurs des compteurs peuvent être visualisées de manière attrayante. Grâce à l'enregistrement exact et immédiat des valeurs du compteur, un compteur Embus convient parfaitement à un système de gestion de l'énergie efficace et comme base d'un système de facturation avec des valeurs en temps réel.
Vous souhaitez exporter des données au format CSV, les envoyer par courrier électronique ou les transmettre d'un endroit à l'autre par le biais d'un réseau interconnecté, pas de problème. Il ne s'agit là que d'un petit aperçu des possibilités offertes par l'automatisation de la maison et du bâtiment Luxon. En résumé, MBUS est un système fiable et efficace pour la collecte de données à partir de compteurs de consommation. Et grâce à la nouvelle MBUS Extension, ces mêmes compteurs peuvent désormais être intégrés facilement et rapidement dans l'univers Luxon. Si vous avez aimé cette vidéo, nous serions heureux de recevoir un pouce en l'air comme toujours. Et pour être sûr de ne pas manquer d'autres nouvelles sur les nouveaux produits, Luxon, les fonctionnalités logicielles ou les projets de référence passionnants, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À la prochaine fois.